Une nouvelle ère s'ouvre au ministère des Sports. Après 7 années passées à la tête du portefeuille ministériel des Sports, Oswald Omeki cède son fauteuil suite à sa démission acceptée par le président Patrice Talon. Désormais, c'est Benoît Dato qui prend les rênes de ce ministère. Le nouveau ministre a été nommé par le président de la République ce mardi 10 octobre 2023. Comment les populations voient cela, suivant leur appréciation? L'intérim n'a pas été longtemps. Donc on peut dire que c'est la fin du suspense. Le ministre Sam, lui, il était déjà trop chargé. Et on va encore le surcharger. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Et ce nouveau ministre, M. Dato, il vient du secteur privé. Venez contrôler EcoBank. Donc je pense qu'il aura la chance de faire ses preuves. Je ne le connais même pas, donc je ne peux pas l'apprécier. Il faut que je sois honnête avec moi-même pour l'être avec autrui. Je ne le connais même pas. Un gouvernement a été toujours une continuité. Donc moi, nous sommes des citoyens lambda, on ne connaît pas forcément les causes d'une telle démission. Mais la faisabilité est que si un ministre n'est plus là, a été démissionné ou pour d'autres raisons, quelqu'un doit prendre la suite. Au vu des pouvoirs qui lui sont conférés, le président Talon est en mesure de limoger, de renommer d'autres ministres, d'autres personnes, d'autres individus qu'il croit compétents que le partant. Leur population attend beaucoup du nouveau patron des sports au Bénin. Il y a les chantiers, il y a même les grands chantiers. Et c'est vrai, Omeki, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais lui ne doit pas faire moins que Omeki. Il doit faire mieux que celui-là. Parce qu'on sait que sur les infrastructures, tout est sport, il y a une dynamique qui est là au moins. S'il pouvait continuer dans cette dynamique et encore innover avec d'autres choses. On ne peut que saluer le remplacement qui a été fait parce qu'il faut une autre personne pour continuer les actions à la tête de ce ministère-là. Quoi qu'il en soit, l'État est une continuité. Benoît Dato fera-t-il mieux qu'Oswald Omeki? Seul le temps nous le dira.